Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis heureux ce soir de vous accueillir ici même au Tabernacle Ciel Port-Gentil et pour la présentation de l'album de l'artiste Léo Ézéchiel. Et je voudrais saluer comme ça nos internautes, toutes les personnes qui nous regardent là où vous êtes, dans vos maisons. Nous vous bénissons en Jésus-Christ pour cette opportunité que vous nous accordez de participer à cette émission de la présentation de l'album de l'artiste Léo Ézéchiel. Et nous saluons toutes les personnes à travers le monde entier qui sont connectées actuellement et qui par la suite se connecteront pour voir cette émission pour la présentation du quatrième album de l'artiste Léo Ézéchiel. Alors, ce soir, nous voulons présenter l'album de l'artiste Léo Ézéchiel. J'ai cité « La Bible est vraie ». Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir dans nos murs l'artiste en personne qui viendra présenter son quatrième album. Et pour présenter cet album, nous aurons éventuellement besoin qu'il soit assisté par sa chorale. Et de ce fait, je vais simplement, par vos orations, nous allons accueillir ici même la symphonie qui accompagne l'artiste Léo Ézéchiel sous vos acclamations. Précisément dans la ville de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Et aujourd'hui, nous avons comme ça la présentation de l'album, comme je le disais déjà, de l'artiste Léo Ézéchiel. Et cet album s'intitule « La Bible est vraie ». La Bible est vraie. Alors, ici même, juste derrière moi, nous avons la symphonie Omega qui accompagne l'artiste, donc sa chorale. Et je m'en vais comme ça présenter, faire une... J'ai envie de dire saluer l'agence de com qui nous accompagne dans cette grande aventure qui commence aujourd'hui. J'ai cité Zénith A, Art. Alors, vous qui nous suivez de partout le monde sur la chaîne Le Père d'Abel, nous vous sommes entièrement reconnaissants de nous accorder votre temps. Sur ce, nous allons commencer les hostilités en faisant rentrer l'artiste. Et je compte sur vous pour faire rentrer l'artiste. Et pour faire rentrer l'artiste, je vous prie simplement de bien vouloir vous tenir debout parce que nous voulons respecter cette grande soumité dans la chanson au niveau du Gabon. Alors, mesdames et messieurs, et vous qui nous suivez par tout le monde, je vous prie de bien vouloir recevoir ici même, dans cette salle, j'ai cité l'artiste Léo Ézéchiel, que je vous prie d'ovationner très fort sous nos acclamations. Nous recevons pour la présentation de son quatrième album, j'ai cité La Bible est vraie. Alors, merci. Alors, c'est un honneur pour moi de recevoir ici même à la chaîne Le Père d'Abel, l'artiste Léo Ézéchiel, et c'est un honneur. Je me permets de le saluer parce que c'est pour moi un honneur de l'avoir. Et je me fais la faire très fort. C'est vraiment un honneur. Alors, sur ce, nous allons asseoir. Merci. Alors, je me présente. Je suis Jaurès, votre humble serviteur pour cette émission, pour la présentation de cet album. J'ai cité La Bible est vraie. Alors, je rappelle que l'album est disponible sur support USB. C'est une innovation. Généralement, nous sommes habitués à avoir des CD pour la sortie d'album, mais cette fois-ci, l'artiste a voulu faire quelque chose d'un peu plus très haut. Alors, il a préféré le mettre sur support USB. Alors, ce CD, vous pouvez l'avoir partout dans le Gabon. Et pour les personnes qui sont connectées en ligne, vous aurez par la suite le numéro de téléphone qui va s'afficher juste au bas de l'écran.
vous pourrez appeler à ce numéro et on verra comment est-ce qu'on pourra vous transmettre votre clé USB. Cette clé est seulement à 5000 francs. Le support est à 5000 francs. Donc vous pouvez désormais vous le procurer déjà. Alors, sur ce, nous allons nous pencher vers l'artiste Léo Ezekiel, que je vous prie encore de passionner. Pour beaucoup de personnes, pour les internautes qui me suivent, ce sera peut-être la première fois de vous voir. Et ils aimeraient savoir c'est qui Léo Ezekiel. Merci encore. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, Léo Ezekiel Matsoukou est un jeune Gabonais qui rentre dans sa carrière musicale comme artiste gospel. C'est bel et bien un artiste compositeur, voilà, marié, d'ailleurs que ma charmante épouse est ici. Et il a pour objectif de servir le Seigneur avec tous les talents que Dieu a mis dans son actif. Merci. Alors, vous avez bien compris, le pasteur d'artiste, le nom d'Ezekiel, le pasteur de famille, Matsoukou Rodrigue. Et aujourd'hui, nous le recevons en qualité d'artiste. Et j'ai envie de dire, ça a commencé comment cette grande aventure en tant qu'artiste? Waouh! Il faut dire que déjà tout petit, je chantais. Et je chantais déjà très bien. D'ailleurs, que ce sont mes sœurs qui étaient bénéficiaires de ce talent en ces temps-là. Sauf que c'était par imitation, ben, quand il a plu à Dieu de rentrer, que je rentre dans cette partie artistique gospel, il a fallu que je fasse mes premiers pas par des imitations stars. Voilà, j'ai commencé par imiter des grands artistes comme L'Ifoko du ciel, qui d'ailleurs m'a beaucoup influencé, et aujourd'hui j'en suis ici. S'il faille vous relater, ce sera vraiment difficile de parler des détails sur comment ces choses ont bien pu commencer. Merci. Alors, nous avons bien compris, c'est par imitation que est sortie cette grande puissance de la chanson. Alors, nous constatons que vous êtes à votre quatrième album, et ici, le premier album, c'était le Discipola. Alors, le Discipola, pourquoi le Discipola? Eh bien, c'est le concept de tout véritable chrétien, d'ailleurs, que le Seigneur Jésus a laissé. Il a toujours dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, Discipola vient du fait d'un maître avec ses disciples. Et donc, j'ai chanté ce thème pour montrer aux gens que nous sommes disciples du Seigneur et que le Seigneur est bel et bien caché dans les pots de blé et roux. Et donc, s'il faille suivre ce Seigneur, nous le suivrons au travers des hommes. Voilà, merci. Alors, donc, vous avez très bien compris, cher interprète, là où vous êtes en partant le monde entier, il n'est pas à son premier album, il est à son quatrième album. Et j'ai envie de dire, dans cet album, il y a un chant qui part, on va dire, qui a traversé les frontières gabonaises, qui a traversé les frontières africaines. J'ai envie de dire, ce titre, contenant le discipulat, rend-moi amer. Alors, je voudrais rappeler à tous ceux que nous suivons, qui étaient présents aujourd'hui, que nous sommes accompagnés d'un groupe musical qui va nous accompagner dans cette grande présentation. Alors, on aimerait quand même avoir, on va dire, cet avant-goût, histoire de parce que les gars qui ont dit, c'est nous qui avons chanté ce cantique, c'est nous qui avons fait ceci. Alors, on aimerait avoir quelque chose dans ce sens, vraiment amer. Si la régie est prête. C'est en exclusivité pour vous aujourd'hui. Nous recevons l'artiste Léo Ezekiel qui va nous faire une interprétation de ce merveilleux cantique contenu dans la Bible du Discipula. Vraiment vrai. Quand tu m'as vu chanter dans les lieux célestes, tu lui donnes
à Jean, prends le petit livre ouvert, tu dois l'avaler. Il sera à ta bouche, tout comme tu viennes, mais dans tes entrailles, il sera amer. Jésus, l'amertume de la parole, le disciple là, et il vient comme ça de nous faire un extrait de cet album là dans le titre Par ma mère. Alors, nous allons parler de ce mois d'album et ensuite nous passerons certainement au quatrième album. Dans le deuxième album, c'est Crucifiez-le. Alors, Crucifiez-le, c'est quand même assez étrange comme titre d'album. Eh bien oui, monsieur Montfondu, Crucifiez-le, c'est justement ce que les humains ont dit de ce merveilleux Jésus. Lui qui pourtant était venu pour être une forte solution pour l'humanité. Les hommes n'ont pas pu reconnaître les œuvres de ce précieux Jésus. Il a été renié des siens, rejeté. Et quand il fallait qu'on prenne une décision, que l'humanité prenne la décision entre le fait de crucifier Jésus ou de libérer un imposteur, un voleur, l'humanité a dit crucifié. Alors, mais dans ce chant, il y a une profondeur. La profondeur est qu'il fallait qu'il passe par ce chemin. Il devait passer par la crucifixion parce qu'il ne regardait pas tant à ce que disaient les hommes, mais plutôt à la mission qu'il avait à l'égard de l'humanité, qui était celle de sauver l'humanité. Et le seul moyen qu'il fallait, c'était qu'il passe par la croix. Et donc, crucifiez-le pour qu'on ait la vie. Nous l'avons bien compris, crucifiez-le. Nous parlons aussi du second album de l'artiste de Ezekiel, crucifiez-le. Alors, est-ce que l'artiste peut nous faire un extrait de cette belle chanson? Juste pour le plaisir des personnes qui nous regardent et des personnes qui ont effectué le déplacement. Bien sûr. On aimerait profiter au maximum de l'artiste. C'est pas toujours évident de l'avoir avec nous, et lorsqu'on a l'occasion de l'avoir avec nous, alors on aimerait profiter. Mesdames et messieurs, pour le plaisir de vos oreilles spirituelles, je vous prie de bien vouloir écouter avec attention cette merveilleuse mélodie par le titre Crucifiez-le. C'était l'histoire de Jésus-Christ et de Barabbas. Chacun devait être condamné, mais il fallait convaincre le peuple par ses œuvres sur la terre, car la condamnation devait être par élection. Le peuple devait voter celui qui allait être condamné. Ainsi Jésus, sachant cela toute sa vie, il a passé à faire du bien. Il guérissait les malades, il relevait les paralytiques, il consolait. Mais malgré tout cela, le même peuple a trouvé qu'un
ce mot pour lui ne suffit. La Bible est vraie. Ce qu'a fait Malboum, dont tu as entendu par les internautes, par ceux qui nous suivent et par la population gabonaise, la Bible est vraie. Alors, d'où vous êtes venu cette inspiration? Oh là là, généralement, les inspirations que je reçois pour toute forme de chant, pour tout titre, me viennent de l'Esprit de Dieu contenu dans sa parole. Alors, la Bible est vraie est un concept accepté, reconnu, même par notre auditoire ce soir. Parce que tout ce que la Bible a bien pu énumérer comme prophétie, comme événement qui devrait se produire, nous voyons cela s'accomplir sous nos yeux. Et il a plu à l'Esprit de Dieu de m'inspirer, n'est-ce pas, de chanter cela afin de faire comprendre à cette génération que s'il y a un livre qui nous parle dans toute la véracité possible, c'est la Bible. Et donc j'ai été inspiré comme ça à dire aux gens que la Bible est vraie, de par l'accomplissement des prophéties énoncées par la Bible et aujourd'hui manifestées, accomplies. Alors nous l'avons bien compris par son intitulé La Bible est vraie. Alors je rappelle à tous ceux qui nous suivent que cet album est composé de 6 titres avec en 7e un bonus. Vous pouvez désormais vous le procurer, il est seulement à 5000 francs, il est sur support clé USB. Et je rappelle que la copie de ce support est interdite. Alors sous peine de poursuite judiciaire. Alors pour parler de cet album contenu, donc qui contient 6 titres. Et de reprendre le premier titre, une statue de sel. Ah, j'ai envie de dire que les titres que vous prenez sortent de loin. Et bien sûr, monsieur Mokoumbi, simplement parce que la Bible elle-même sort de loin. La Bible vient de l'éternité. Peut-être pas le livre qui contient ces écritures sacrées, mais le contenu vient de l'éternité et c'est très profond. Pourquoi la statue de sel? J'ai simplement vu dans la Bible qu'il y avait une femme du nom qui avait pour époux Lot. Et donc il y avait un message pour sa génération, pour son temps, qu'elle avait bel et bien reçu. Elle avait ce message dans son cœur. Mais pourtant, malgré qu'elle avait ce message dans son cœur, cela ne l'a pas permis, n'est-ce pas, de vaincre les défis de son temps. Et la Bible dit qu'elle a bafoué ce message et elle est devenue une statue de sel. Et la Bible va encore nous dire que nous devons être le sel de la terre. Alors dans cette chanson, il faut bien démontrer la nuance qu'il y a entre être salé et être une statue de sel. La statue de sel est salée, mais quand nous sommes salés, nous ne sommes pas forcément une statue de sel. Lorsque vous êtes statue de sel, vous n'êtes plus productif. La parole vous a simplement figé et vous n'avez pas d'évolution. Et donc dans cette chanson, j'aurai la capacité de comprendre que ce qu'il faut que nous soyons n'est pas tant d'être statue de sel, mais plutôt salé. Voilà, parce que quand vous êtes statue, vous êtes statique, vous ne bougez plus. Mais nous devons plutôt être salés pour ce monde. Voilà. Merci. Alors, nous avons bien compris.
ça qui le fait. Et nous avons bien compris l'artiste, il y a une différence entre être salé et être une statue de sel. Et pour le plaisir et pour le plaisir des personnes qui nous suivent actuellement et des personnes qui effectuent les placements, alors nous allons avoir un extrait de ce titre. Alors, la régie est prête, nous allons écouter l'artiste dans ce merveilleux titre, une statue de sel. Je compte sur la participation de l'assistance. Celui de la croix, lorsque notre souverain Seigneur Jésus passa par là pour le rachat de chacun de nous. Pour moi, c'est un jour inoubliable. Parce qu'en ce jour, même la nature a reconnu que le Saint de Dieu était en train d'accomplir une œuvre sainte. Et donc, c'est un jour, dans cette chanson, je démontre clairement que ce jour, je ne saurais l'oublier. Toute ma vie, mon cœur bat au rythme de ce jour. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, parce qu'il y avait bel et bien ce jour-là qui a fait qu'aujourd'hui je sois racheté, compté parmi les fils de Dieu. Merci. Alors, nous l'avons bien compris. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent et aux présentateurs qui nous suivent actuellement que l'artiste Léo Ezekiel est bel et bien chrétien. Chrétien, donc c'est un artiste gospel. Et je voudrais rappeler cela et. Je rappelle également qu'il est à son quatrième album et le dernier, c'est La Bible est vraie.
sur support USB, il est à 5000 francs, vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Alors, un jour glorieux. Et aujourd'hui, je crois que ceux qui sont venus à cette présentation aimeraient avoir un extrait de ce titre. Alors, mesdames et messieurs, pour le plaisir de vos oreilles, je vous prie de bien vouloir écouter avec attention ce titre, Un jour glorieux. Sous vos avances, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, la veille du départ, c'est aussi là l'expression de l'amour de notre Seigneur. Cela nous vient depuis le livre d'Exode, d'ailleurs. Israël étant pendant 300 ans, 400 ans, voilà, 430 ans en esclavagisme en Égypte. Et il fallait bien que cette dispensation prenne fin. Et Dieu décida de faire en sorte que ses enfants partent de là. Mais avant de partir, il y avait bien une veille. Et donc, à la veille du départ, il y avait beaucoup d'exigences de la part du Seigneur, parce que Dieu devait montrer sa gloire. Il y avait le sang de l'agneau qui devait être appliqué au linteau. Et ce qui est d'ailleurs plus vivant pour moi dans cette chanson, c'est que l'Esprit de Dieu m'a amené dans ce passé pour m'identifier à un personnage hébreu qui était à la veille du départ. Et après autant de souffrances, il se disait, je vais enfin je m'en vais chez moi. Parce qu'il n'était pas chez eux en Égypte et qu'on donne à cette personne, n'est-ce pas, la promesse selon laquelle il partait de cet endroit pour chez eux. Alors ça a dû donner une expression de joie, des émotions de joie, de vie au travers de ces Hébreux-là. Et en typologie, à nous qui sommes d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes à la veille du départ parce que le Seigneur Jésus est bel et bien en train d'amener le peuple, son épouse, au départ, selon qu'il est écrit dans la parole. Voilà. Mais avant de partir, il y a une veille. Et cette veille, il y a beaucoup de bonnes choses qui s'y trouvent. Donc j'en voulais dire cette veille de préparation. Donc ça signifie préparation après le départ. Voilà. Ok. Alors nous avons bien compris la veille du départ.
Et pour tous ceux qui me suivent actuellement, vous qui êtes connectés, vous qui êtes en ligne, et pour toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour la présentation de l'album, du quatrième album d'artiste de Ézéchiel. Alors, mesdames et messieurs, pour le plaisir de vos oreilles spirituelles, la veille du départ, interprétation de l'artiste, s'il vous plaît. Musique. C'est la veille du départ, après tout ce temps de souffrance. Israël est en Égypte, sous la conduite de Moïse. Il doit manger l'agneau sans défaut. Alors, nous allons peut-être sauter le quatrième titre pour aller directement sur la parole faite chair. Alors, j'ai envie de dire que vous avez des titres vraiment qui sont de loin. Et pourquoi ils sont de loin? Parce que ce sont des titres qui sont très aspirants. Nous en avons envie de dire que vous allez très loin chercher cela. Et en tant qu'artiste-compositeur, ce sont des titres qu'on ne trouve pas presque ailleurs. Alors, la parole fait chair. Oui, c'est justement l'une des métamorphoses qui porte beaucoup de confusion à l'humanité. L'une des métamorphoses de Dieu. Parce que notre Dieu est un morphé, il prend plusieurs formes. Mais quand il devient un homme, alors ça porte à confusion. Et je voudrais chanter encore et encore cette partie métamorphique de Dieu lorsqu'il devient l'homme. Il était un homme en étant Jésus parmi nous, mais ils l'ont pris, ils l'ont cloué. Et donc, dans cette chanson, il y a beaucoup de richesses. Nous donnons simplement aux gens de comprendre le basculement de cet homme de Jésus. À quel moment dans la Bible il était un homme et à quel moment il était Dieu. Parce que nous dit un prophète dans notre génération, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et donc nous chanterons encore et encore ce concept pour amener l'humanité à comprendre Dieu. Alors, pour comprendre, de par une question, je vous laisse comme ça découvrir un extrait de ce titre, La parole fait chair. Musique. Je rappelle que nous sommes comme ça à la chaîne L'Hôtel d'Abel et nous sommes comme ça à la présentation du quatrième album de l'artiste Ézéchiel qui comprend 6 titres et un bonus. Il était un homme dans la barque avec les apôtres, endormi sur son siège. Il était un homme dans la barque avec les apôtres, endormi sur son siège.
lorsqu'il se leva et menaça la tempête, en ce moment, ce n'était plus un homme, mais Dieu dans un homme, la parole que te gère. Qui laisse à désirer à l'égard de ceux-là qui ne connaissent pas encore la vérité. Et dans ce champ, je conseille aux chrétiens d'avoir une autre attitude à l'égard des perdus, de ceux qui ne connaissent pas encore la parole. Au lieu que d'être là à les juger, à se moquer d'eux, penser qu'ils sont morts, nous devrions plutôt être du sel pour créer la soif, n'est-ce pas, dans ces derniers, afin de retrouver le chemin que nous avons par grâce pu, n'est-ce pas, retrouver. Ah, merci. Alors, nous avons bien compris que dans ce album, l'artiste nous amène dans des nuages, nous amène à comprendre, nous amène à rentrer dans les profondeurs à la fois de la parole et de la conscientisation du chrétien. Et pour le plaisir de nous interroger, ceux qui nous regardent et ceux qui ont effectué les déplacements, derrière moi, musique, pour le titre « Soyons lumière et du sel ». Musique. C'est ici que ça se passe pour la présentation de ce matin. J'ai vu des chrétiens
De composer un tel chant, la Bible est vraie. Oui, comme je le disais en amont, déjà, c'est un titre qui nous montre la véracité de ce livre, la Bible. La Bible, aujourd'hui, est vécue. Nous voyons s'accomplir tout ce que la Bible avait prédit. Voilà, la Bible, c'est sa parole, ce sont les prophètes. Et nous avons une écriture comme par exemple. Vers le temps de la fin, vous entendrez parler de guerre, de plus de guerre. C'est la Bible qui avait déjà dit toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous voyons au bien de Dieu, d'ailleurs, que depuis longtemps déjà, nous voyons des guerres, de plus de guerre. Il y a tellement de choses qu'on ne pourrait peut-être pas étaler ici, que la Bible aurait prédit bien avant, mais qui se serait déjà accompli de nos jours. Et donc, je voudrais vraiment parler haut et fort, crier sur les toits, pour dire aux gens, que la Bible est vraie. La Bible est vraie. Mesdames et messieurs, la Bible est vraie. Alors, ceux qui nous regardent et ceux qui sont venus ici même aimeraient entendre un extrait de ce chant. Musique, s'il vous plaît. Beaucoup crient à Dieu disant, pourquoi ceci?
Alors, pour le plaisir des internautes et de l'assistance venue,
Alors nous allons profiter de l'artiste juste pour le premier titre. Alors, mesdames et messieurs, ici même, à Port-Gentil, pour son titre, la double, la vie des pères, l'artiste va comme ça nous chanter jusqu'à la fin son premier titre, une statue de sel. Sous l'acclamation, l'artiste de Mazuké. Merci à vous qui vous suivez et merci à vous qui allez vous procurer ce merveilleux support. Seigneur, j'ai prié, c'est moi, très haut. Je viens près de toi te demander ceci. Je ne voudrais jamais te bénir une statue de sel. Comme la femme de l'ordre qui avait pourtant le message. Mais elle regarda, puis en arrière, elle est là, elle devint statue de sel. Ainsi moi, Léon, Jésus, je ne voudrais jamais, pourtant jamais, avoir ce message-là et devenir une statue de sel. Oh non, j'ai bien vu beaucoup de frères qui font du bruit dans leur bouche. Oui, certains sont bien salés, mais ils sont en statue de sel. Oh. Moi, je veux vivre la parole au lieu de trop parler. Appliquer le message dans ma vie. C'est cela ma prière, être vrai chrétien. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et nous remercions l'hôtel d'Amel qui nous fait l'opportunité de pouvoir retrouver.
retranscrire dans cette émission. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, le quatrième album de l'artiste Léon Ezekiel est désormais disponible. Il est seulement 5000 francs. Du côté de Port-Gentil, vous pouvez l'avoir au studio Lyon Vision Productions situé au Printemps. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'endroit, un numéro de service juste sous le bas de l'écran. Appelez, on viendra vers vous. Sur ce, je vous remercie. Vous êtes en bonne soirée. Alors, merci à vous. Ceux qui veulent se procurer le CD, le prend au support.